Donc on a le mot ancien qui reçoit le style de caractère 01 parce que et là je clique à côté de tout pour euh, désélectionner avec la flèche noire parce que je vais aller modifier je vais aller voir le style juste pour vous rappeler que c'est encore du texte body nouveau que vous avez ici à style grep l'indication que le style de caractère 01 s'applique au mot ancien qui soit Orthographier avec une majuscule ou avec une minuscule au départ. Bon, bien sûr, si je fais des variantes d'anciens, ça ne marche pas. Si je prends ici avec le curseur texte, je mets ancienne, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a Ancienneté, enfin, tout ça, ça ne marche pas. On va faire en sorte que tous les mots qui commencent par ancien, avec majuscule ou pas, euh, se, se mettent, euh, reçoivent entièrement le style de caractère. Bon, pour ça, on va le faire de la, de la manière simple. Parce que vous avez vu qu'il euh, y a la manière qu'il a été appliquée sur les mots, là, sur le côté. Renard, renarde, renardeau, etc. Mais ça, c'est quand même ennuyeux de tout prévoir. Donc, ce qu'on va faire euh, ici, c'est on va cliquer à côté de tout, avec la flèche noire, on désélectionne le bloc. Donc, on va aller dans le style du texte body nouveau et on va taper à style grep juste ici à la fin on va taper une fonction qui dit et peu importe quelle est la suite du mot et pour ça il va falloir faire anti slash w étoile donc l'anti slash ben, c'est pas la barre oblique que, que vous connaissez c'est la barre dans l'autre sens donc Alt, alt majuscule barre oblique sur le Mac Alt shift barre oblique vous fait la barre oblique dans l'autre sens l'anti slash ça vous dit quelque chose ça vous l'appelez comment ça Backslash oui c'est ça aussi ensuite W en minuscule et le caractère l'étoile et normalement tout ce qui suit le mot ancien va devoir prendre maintenant le style de caractère. Voyons un peu ça. Il faut forcer en décochant aperçu et en recochant. Et ça marche. oui, parce qu'on a l'impression que ça marche pas, mais il faut forcer la mise à jour si vous voulez pas quitter la boîte en cochant et décochant à la case aperçue. Donc assez intéressant quand même. Monsieur, hmm. Donc, maintenant, toutes les variantes qu'on assert euh, du mot ancien recevront anciennement, ancienneté, ancienne, avec S, sans S, ancien avec S, sans S, enfin voilà. Pas certain que ce soit très intéressant que sur le mot anciennement, ça y aille. Parce que bon, c'est quand même un, un mot qui n'a pas un intérêt énorme, je veux dire, au niveau du contenu, mais bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire Je ne pense pas que dans un index, on ait besoin de voir le mot anciennement où il se trouve dans le document. Par contre, le mot ancien, ancienne, ancienneté, pourquoi pas Mais bon, voilà, techniquement ça fonctionne. Alors vous allez enregistrer le document sous un nouveau nom. Et on va aller créer un nouveau style de caractère pour faire un nouveau type de titre grâce au style imbriqué.